Good morning, Aleiden. Le titre aujourd'hui est Elohim Nishmat Rivka Batsara. Rachel Bat Sara, Peggy Bat Esther, Lisa Lisa Bat Frecha, Zara Bat Matatov, Shishportish. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek He, Mishnah Gimel. Echad Omer, Mishnahim Bachodesh, Vechad Omer, Mishlosha Bachodesh, et Dutan Kayemet. Chez Yodea Beiburo Shel Chodesh, Bezeno Yodea Beiburo Shel Chodesh. Echad Omer, Mishlosha, Vechad Omer, Bachamisha. עדותן בטלה. אחד אומר בשתי שעות ואחד אומר בשלוש שעות. עדותן קיימת. אחד אומר בשלוש ואחד אומר בחמש. עדותן בטלה. רבי יהודה אומר קיימת. אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע. עדותן בטלה. שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב. ובפרלנו נות משנה די קונטרדיקציון לא דון אינטרוגטואר די דו תמואן. הפרטיר דו קאן. Jusque quand va-t-on considérer qu'il n'y a pas de contradiction, même s'ils ne disent pas exactement la même chose, et à partir de quand on va considérer que c'est une contradiction? Avant de lire traduire les Mishnah, on a entendu un principe très court. Kevan shehigid shuv eno choser umagid. Une grande règle dans les témoignages, lorsque l'on porte un témoignage, lorsqu'on dépose un témoignage, kevan shehigid shuv eno choser umagid. À partir du moment où le témoin a dit une chose, il ne peut plus dire autre chose, il ne peut plus revenir sur ses paroles. Il y a quelques exceptions à la règle, mais en tout cas, le principe, il est que il faut bien qu'on se fixe. Donc, tu viens, tu parles, ce que tu déposes, on va agir selon ça, on va condamner, il faut que ça t'engage. Si toutefois, on va te contredire, on va porter des témoins, on va faire le din azama. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir une girouette en face de nous qui va nous dire « Ah, mais je pensais à autre chose ». Dès que tu t'as affirmé quelque chose, on va selon ça. Adasof, la Gemara raconte une histoire très triste de faux témoins grâce à eux, on a condamné à mort quelqu'un, et ils étaient là en train de pleurer, en train de dire, c'est pas vrai, on a menti, on a été soudoyé. Les Dayanim ont dit, on fait ce qu'on peut faire, on vous croit pas, c'est tout, on peut plus vous croire dans ce que vous dites. Peut-être qu'en ce moment, psychologiquement, vous avez peur d'avoir ça sur la conscience, vous êtes en train de revenir en arrière, on peut pas. On a parlé, on agit selon ça, c'est une grande règle à bien comprendre. Et de ce fait, vous allez bien comprendre donc, tout le principe de notre Mishnah qui va avoir une contradiction, mais une incohérence intrinsèque. Comme par exemple, justement, Echad Omer Bishnaim Bachodesh, Echad Omer Bishlosha Bachodesh. On interroge les deux témoins, on leur demande quand ça s'est passé. L'un dit ça s'est passé le 2 du mois, et l'autre on dit ça s'est passé le 3 du mois. On était dans le Chodesh Tevet, d'accord, l'un il a dit le dimanche 2 Tevet, et l'autre il dit non, dimanche 3 Tevet. Donc faites attention. Tous les deux disent dimanche, mais un dit que c'était le 2 Tevet et l'autre dit que c'est le 3 Tevet. Il s'avère, si vous ouvrez le calendrier, je ne sais pas c'était quand, Rosh Chodesh Tevet, je crois que c'était un vendredi si je ne me trompe pas, et de ce fait, on s'est retrouvé avec le dimanche 3 Tevet. Et donc on a maintenant une contradiction. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Ça se contredit ou non? La Mishnah enseigne Edutan Kayemet. Leur témoignage est maintenu. Pour quelle raison? Chez Yodea Beiburo Shel Chodesh. Car celui-ci savait que le mois a été plein, rempli. Iburo, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. On parle du mois qui a été meubar. Il a été grossi, un mois de 30 jours. Vous savez bien d'ailleurs spécifiquement sur Kislev Tevet, Rosh Chodesh Tevet, plutôt le mois de Kislev, des fois il fait 29 jours, des fois il fait 30 jours, ça dépend des années. Il y a plusieurs règles comment fixer. De ce fait, on va dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les calendriers fixes. À l'époque, il y avait uniquement les Shluchei Bet Din qui venaient, c'était le Sanhedrin qui décidait quand était fixé le Rosh Chodesh, la Néoménie, et selon ça, on établit que c'est à partir de maintenant, on comptait le premier du mois ou le deuxième du mois. Et alors, c'est possible que finalement, un a entendu que le mois de Kislev dernier avait 29 jours, et donc forcément, Rosh Chodesh c'était le vendredi, on se retrouvait dimanche 3, et l'autre, il n'a pas suivi les informations, son journal ne lui est pas parvenu, et il a cru que c'était un mois de Kislev habituel, donc il a calculé, hein, le 30 c'était le vendredi, donc le 1 c'est le Shabbat, donc dimanche 2. C'est pour ça qu'il y a une contradiction. En réalité, donc on va dire, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Tout ça, ça va être jusqu'au 15 du mois. À partir du 15 du mois, alors là c'est sûr que tout le monde sait où on en est dans les dates, et on ne pourra plus tolérer. Soit, si un il a dit jeudi 20 et l'autre il a dit jeudi 21 Tevet, ou plutôt 29, l'autre a dit jeudi 19 Tevet, ouais. Donc, on va leur dire, non, cette fois-ci, c'est une contradiction, parce qu'on ne va plus tolérer. Il y a tout simplement une incohérence même à l'intérieur de tes propos, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as dit, jeudi 19, il n'y avait pas de date pareille.
on va considérer que donc ton témoignage, maintenant tu peux plus le corriger en disant je me suis trompé de date. Une fois que tu as parlé, Kevan Shehigid, Shuven Chozer Magid, à partir du moment où il a parlé, il ne peut plus revenir et dire autre chose. On est obligé de se fonder, de se fixer. Donc tu t'as avancé, tu as dit jeudi 19, c'est grillé, tu te contredis, tu contredis même l'autre témoin et c'est fini, on peut plus revenir en arrière. D'accord ? Ça c'était donc la différence quand il y a eu une erreur de un jour d'écart et on a précisé jusqu'à la moitié du mois. Et selon ce principe, la Mishnah continue et nous dit Echad Omer Bishlosha, Vechad Omer Bachamisha, et Doutan Medela. S'il y a maintenant une différence de deux jours, un il dit jeudi, dimanche, Rosh Chodesh, et l'autre nous dit dimanche, 3 Tevet. Une erreur de deux jours, c'est pas possible. Parce que celui qui a dit dimanche, Rosh Chodesh, il n'a pas pu compter le mois dernier de Kislev, de 31 jours, ça n'existe pas. Donc maintenant, incohérence, c'est grillé, on met un X dessus, et c'est fini. Plus on voyait plus de témoignages, et Doutan Betela, leur témoignage s'annule et tout le monde est disculpé et c'est tout, on ne peut plus juger selon ses témoins. Pour rappel, même lorsqu'ils étaient trois, ils étaient trois témoins et même dix témoins et les neuf ont dit quelque chose de normal et le dixième a dit une incohérence, c'est fini, ils les possèdent tout le monde, d'accord ? On fait maintenant deuxième partie de la Mishnah, le même principe mais avec les heures. Et Doutan Kayevet. Il se trompe dans les heures. Un dit c'était à la deuxième heure et l'autre dit c'était à la troisième heure, à partir du matin. Alors, leur témoignage est maintenu. Pour quelle raison ? Les gens peuvent se tromper. Même s'il y en a qui vont dire ah ouais, c'était au début de la deuxième heure et l'autre va dire non, c'était à la fin de la troisième heure. C'est malgré tout une marge où les gens peuvent se tromper. Par contre, on finit la Mishnah, je vais apporter un tirotisal très très intéressant. Par contre, donc ça, c'était une erreur de finalement une heure, qui peut être en réalité une heure et 55 minutes. En tout cas, un, il va dire le début de la deuxième heure, l'autre va dire la fin de la troisième heure. La Gemara précise, si un, il a dit, oui, au petit matin, avant le net, et l'autre dit, non, au petit matin, après le net, cette fois-ci, ils ont une erreur d'une demi-heure. Mais, puisque cette fois-ci, il y a une limite bien nette qui est le soleil qui est sorti, ouais, 20 minutes avant le net, il n'y a pas encore, il fait certes une belle lumière du jour, ça commence pas mal, mais en tout cas, on est loin de voir le soleil. Et l'autre, il dit, ouais, il y avait le soleil rouge dans le ciel. Alors là, c'est sûr que c'est une contradiction, même si finalement, ils sont trompés sur une marge d'une demi-heure. Parce que là, on a un point bien défini entre les deux, donc on est capable d'affirmer qu'ils se contredisent nettement. Bah, ce qui n'est pas le cas quand on est à la deuxième, troisième heure. Et justement, alors, on va continuer d'abord. Après Donc, et de Tanakamet. Un dit à la deuxième heure et l'autre dit à la troisième heure, le témoignage est maintenu. Echad Omer Bechalosh, Echad Omer Bechamesh, et Doutan Betela. Par contre, si un dit à la troisième heure et l'autre dit à la cinquième heure, alors leur témoignage est annulé, parce qu'on ne peut pas se tromper sur deux heures. D'accord ? On ne peut pas avoir une marge d'écart de deux heures, même si... D'accord. Et Doutan Betela. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer Kayemet. Rabbi Yehuda pense que leur témoignage est maintenu. Ça peut encore, on retrouve un Rabbi Yehuda qui ressemble à ça un petit peu dans Psachim, on va pas ranger sur le sujet, ça va lourdir vêtement. Selon Rabbi Yehuda, c'est encore une marge même de deux heures d'intervalle, c'est encore possible que finalement, qu'il y ait quand même une petite erreur sur ça. Par contre, Echad Omer Bechamesh, Echad Omer Becheva, et Doutan Betela. Par contre, si un dit à la cinquième heure et l'autre dit à la septième heure, c'est plus alors. Leur témoignage est annulé. Pour quelle raison? La Mishnah nous dit Shebechamesh Chama Bemizrach, ou Bashevi'i Chama Bema'arav. Car à la cinquième heure, le soleil est à l'est, et à la septième heure, il est à l'ouest. Bien sûr, midi, on est en train de parler de la sixième heure, fin de la sixième heure, solaire, c'est l'heure où on a le soleil au-dessus de la tête. Berosho Shel Kol Adam, à partir d'une demi-heure après, le soleil tend vers l'ouest, et une demi-heure avant, le soleil est encore à l'est. Et donc là, s'il y a une marge sur cela, on ne peut pas se tromper en fait entre là, même si c'est la fin de la cinquième heure et début de la septième heure, ce n'est pas une erreur qu'on peut tolérer, étant donné qu'il y a ici un point bien défini qui est le soleil sur la tête de chacun, ça rejoint le principe qu'on avait dit sur le net, sur le Enetz Achama, qui est le soleil qui est au milieu, qui est sorti ou non, il y a des moments où on ne peut pas se tromper. Selon ce principe, il y a un Tifrat Israël qui rapporte qu'à notre époque, on a des montres. En général, à l'heure plus ou moins, même si on va trouver des marges de 10 minutes, un quart d'heure, mais en tout cas pas fondamentalement différent. S'il y aura une erreur, chacun va dire « Ouais, c'était à 10h du matin, je me rappelle très bien, c'était... » Il va donner son repère, j'ai regardé son montre, il était 10h du matin.
Et l'autre va nous dire, non, c'était à même 11h moins quart. Donc c'est une marge qui ne va plus être tolérable, qui ne va plus être explicable, justifiable, et de ce fait, leur témoignage va s'annuler selon ce principe. D'accord? On a fini la Mishnah, on fait le bar Ténoura. Chezé yodea be'iburo shel chodesh, car celui-ci sait que le mois était plein. Donc c'est lorsqu'il y a une différence de un jour. Bar Ténoura dit, Zé Shahavar, Malehaya. Celui qui a dit qu'on était le 2 du mois, il sait que le mois passé était Malé, plein. Soir, on avait un qui se lève de 30 jours. Veyom Rishon Shel Chodesh, Yom Lamed Mechodesh. Et donc, le premier jour du mois était donc celui qui correspondait en théorie aux 30 qui se lèvent, parce qu'il n'y a pas eu de 30 qui se lèvent le mois dernier. Non, excusez-moi, j'ai un petit problème. Encore une fois, Zesha Amar Bishnaim, Yada Shel Chodesh Avar, Malaya, Veyom Rishon Shel Chodesh, Yom Lamed Mechodesh. Yom Rishon Shel. Ah, parce qu'il compte les deux jours de Rosh Chodesh, apparemment. D'accord. Vedavka ad chatzi achodesh, aval mi chatzi achodesh ve'eilach edutan beteila. Mais on parle uniquement du cas où il se trompe dans la première quinzaine du mois, la moitié du mois. Aval mi chatzi achodesh ve'eilach edutan beteila. Par contre, à partir de la deuxième partie du mois, edutan beteila, leur témoignage s'annule. Shechazaka en over chatzi achodesh ad shikol haolam yud'im. Car on a une chazaka, un axiome clair que ce n'est pas possible. C'est pas fréquent d'avoir la moitié du mois qui passe sans que tout le monde sache que le mois, ou la majorité du mois, du monde sache que le mois a été fixé de 15, le mois dernier, de 30 jours, c'est le Rosh Chodesh, de 30 jours ou de 29 jours. Matai kitchou bedin chodesh. Shehad shekol olam yodim matai kitchou bedin chodesh. Jusqu'à ce que chacun sache que quand le bedin a fixé le Rosh Chodesh. Rabbi Yodomer kayemet. Ça, c'était sur la marge de 2 heures. Pourquoi? David inish de ta'e kule haïka. C'est encore tolérable que quelqu'un se trompe de 2 heures. D'accord? Comme disait mon ami, il se lève tous les jours au Nets d'Australie. Chama ba mizrach. Le soleil est à l'est. Mimakom zrichat achama ad emtsa arakia karoui mizrach. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle que le soleil est à l'est à la 5e heure? Alors il nous explique, c'est pas qu'il est à l'est, il est plus à l'est, il est quasiment au milieu. Mais en fait, non. Là, Mimakom Zrichat Achamak, depuis l'endroit où le soleil commence à sortir, à se lever, Ad Emtsa Arakia, jusqu'au milieu du ciel, donc la moitié, tout ça, ça s'appelle Karoui Mizrach, ça s'appelle l'est. Ou Me Emtsa Arakia, Ad Makom Shkia, Karoui Maharav, et depuis le milieu, le sommet du ciel jusqu'à l'autre, jusqu'à l'endroit où le soleil se couche, c'est ce qu'on appelle le Maharav, et c'est ce que la Mishnah en fait nous a dit, chez Bechamesh, Chama Bemizrach, Becheva Chama Bemaharav. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.